À 3 jours de la fête de la musique, une petite séquence musicale originale avec des enfants qui chantent le Covid et les gestes barrières. On écoute un extrait de cette chanson, on en discute juste après avec Emmanuel Turpin, enseignant à l'origine de ce projet. Voilà, 1, 2, 3, Corona, le tube peut-être de l'hiver austral. Celui qui est à l'origine de ce projet est avec nous ce midi. Bonjour Emmanuel Turpin, musicien, enseignant spécialisé musique réunionnaise. Comment vous est venue cette idée? Tous les ans, on a la fête de la musique au conservatoire et on a les concerts en vrai, en physique. Et là, vu la nouvelle situation avec le déconfinement et aussi le confinement, on a eu l'idée de faire un montage en fait pour restituer le travail qu'ont fait les élèves cette année avec le conservatoire. On le voit, les enfants ont joué le jeu, les parents également, de quelle manière? Il y a des parents d'élèves en tout cas qui ont filmé, tous les parents d'élèves ont filmé, ils ont aussi participé avec leur instrument pour certains. Et ça permet aussi une sensibilisation ludique pour les gestes barrières, le coronavirus, avec la chanson. Combien de temps vous a-t-il fallu pour mettre en scène ces enfants et élaborer cette chanson? Au un mois à peu près, ça fait un mois qu'on est dessus. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Malgré la distance, on peut continuer à faire la musique, on s'adapte à faire la pédagogie à distance, on peut toujours continuer. Et on voit aussi la transmission des petits, des grands, des arbotants aussi, avec la transmission culturelle aussi, et la transversalité entre les disciplines, avec le jazz, il y a des élèves en jazz dedans, il y a des élèves en musique réunionnaise, il y a des élèves en classique, mettre en valeur le travail qu'ont fait les élèves au conservatoire. Emmanuel Turpin, musicien, enseignant spécialisé musique réunionnaise, à l'origine de ce projet, donc 1, 2, 3, Corona. Merci pour ce témoignage et bravo pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci. Vos photos météo du jour maintenant.